Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean Steinman, Léon Blois. Une carrière couronnée par la retraite, qui donne à un vieillard de la petite bourgeoisie une espèce de dignité sociale presque égale au prestige de la Légion d'honneur. Mais Léon Blois a retiré ses pantoufles, parti pour une vie de crève-la-faim, Bernanos. À 12 ans, écolier, c'était un cancre, chahuteur et brutal. Le jeune homme fut saisi d'une fringale de lecture, son père possédant une bibliothèque d'ouvrages philosophiques. Léon composa une tragédie. Un de ses fils savait du génie, déclara son père. Il était marqué pour la gloire, mais cette gloire aurait épouvanté le vieux franc-maçon. Sa maman lui conseillait la prudence. « Parle de ton travail, mais sois sobre. » Le véritable talent est modeste et ne parle pas de lui que lorsqu'il y est forcé. Pardon. Bolléry. Sa mère essaye de lui faire trouver sa foi religieuse. J'aime Dieu tout dans ses œuvres m'attendrit. Blois eut la tentation de Dieu. Il fréquente Barbéry, d'Aurevilly, qui le pousse à la théologie où il excelle. Barbé connaissait surtout la grandeur du catholicisme. Sa mère est heureuse de la conversion de son fils. Fais abnégation de tout orgueil, ne te crois pas appelé à de grandes choses. Avec la guerre de 1870 contre la Prusse, Blois entre en transe prophétique. Cette guerre est une croisade. Il magnifie son rôle jusqu'à la taille des héros d'épopée. Blois divinise la société. Toute doctrine est une législation où elle n'est rien. De retour à Périgueux, il s'ennuie à mourir. Sa foi religieuse l'empêche seul de se suicider. Il se réfugie dans les livres qu'il aime avec passion. Rencontre Blanc de Saint-Bonnet qui défend une métaphysique chrétienne de grande élévation de pensée. Dieu est l'infini et a créé l'homme en vue de la liberté et du bonheur. Les hommes doivent s'associer en vue de plus s'aimer. Blois retourne à Paris dans le journalisme. Après un échec sur un projet de mariage, il pense partir au Canada. Il prépare un discours pour une conférence sur la suprématie temporelle et universelle de l'Église. Blois a des éclairs prophétiques. Il annonce l'hitlérisme et le communisme. Il tente de décrocher un contrat d'édition. Dès son premier livre, Le Révélateur du Globe, on éprouve quelques surprises. Plaidoyer de journaliste où se glissent d'étranges pages comme sur Satan. On croit entendre Bernanos, puis Christophe qui va porter la paix du Christ aux païens. Blois ne tait pas la grande objection à la béatification de Colomb, l'ignoble pillage de l'Amérique par l'Espagne et le massacre des Indiens. Appel du livre de Claudel sur Christophe Colomb. Pour Blois, l'histoire du monde est celle des âmes. Hannibal a une âme et le dieu des vainqueurs. Blois, l'histoire du monde, a des desseins. Avec Blois, les historiens doivent ressusciter les morts, programme au-dessus de leurs forces, rallumer les lampes éteintes. Les âmes sont tout dans l'histoire et les âmes des saints sont les aînés parmi les âmes. Sens des rapprochements imprévus de l'histoire qui anime régulièrement son talent de visionnaire. La croix serait abolie dans la gloire, le règne du Saint-Esprit. Allez commencer, Blois fait la caricature des bourgeois pratiquants en 1881. Blois vivait d'un petit emploi aux archives du ministère des Affaires étrangères et exécute des copies pour la Bibliothèque nationale. La lecture de la Bible le bouleverse. L'éditeur Santon accepte de publier le premier ouvrage. Un second livre paru en librairie à la fin de mai 1884. Il insulte les journalistes et atteint le paroxysme de la violence à cause du remplacement du banquet du Vendredi Saint par un bal. Il voit bien la pauvreté imbécile et le néant de toutes ces bouffonneries anti-religieuses. C'est par les chrétiens que le Christ est traîné au dépotoir. Composition du désespéré rêve d'un roman de misère et de douleur, écrasement d'un homme supérieur par une société médiocre. Le roman reflète la vie de l'auteur. Il est inquiet de la valeur de son roman. L'éditeur Stock le publiera. En attendant, il vit dans la misère, au sens de Peggy qui l'oppose à la pauvreté.
La pauvreté est une vie mesquine et dépourvue de confort. La misère est une vie d'incertitude absolue du lendemain, une vie tragique. Dostoïevski aussi a connu la misère en Russie. La misère matérielle ou morale de ces artistes était accrue par l'insolente fortune des nullités qui atteignaient à la célébrité. Le grand public haïssait l'art, l'avenir était à ceux qui crevaient dans les mansardes. Soira publiera le livre de Blois à la place de Stock. Blois proteste, le désespéré n'est pas une autobiographie. Je ne raconte pas ma vie en public. Il accuse Alphonse Daudet de plagier Dickens. Blois dénonce la médiocrité. Pourquoi les Juifs ont-ils crucifié Jésus-Christ? Parce qu'il était le pauvre. 32 mois d'exil de 1896 à 1899. Au Danemark, il fut saisi par la poésie des petites villes du Nord. Blois est inspiré en découvrant la profondeur de la sagesse bourgeoise. L'argent pour Blois est le symbole de Dieu. Le monde continue à vivre et le ciel et le vieil homme s'isolent de plus en plus, pestant contre les automobiles et le métro, contre le sport, la peinture moderne et l'alliance franco-russe. Blois était hanté par l'image de Napoléon et rêvait d'écrire un livre sur l'empereur. En 1915, Blois tombe malade, il perd la respiration, il découvre la solitude en face de Dieu. Sa respiration se fit de plus en plus lente, le souffle de l'âme partit vers les profondeurs de Dieu. On ne discutait pas avec Blois, ses amis le savaient bien. Jean Steinmann, Léon Blois. Merci.